Hey yo, salut à tous, c'est Dims et on se retrouve pour un nouveau concept, nouvelle série sur ma chaîne, les KEM de mes abonnés. Alors on va tout de suite mettre les choses au clair, si ce type de série, ce type de concept ne vous plaît pas, n'hésitez pas à dislike cette vidéo. On va dire que s'il y a plus de 30, 40, voire 50 dislikes, j'abandonnerai l'idée, je passerai à autre chose. Je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui veulent que je retourne en zombie, qui veulent que je fasse du GTA, mais je ne peux pas tout faire. Actuellement, il y a Call of Duty Ghost qui est sorti il y a moins de 2 semaines. C'est un jeu qui me plaît, autant en multi que en protection, c'est-à-dire en safeguard, qu'en extinction. Il y a beaucoup de trucs à faire sur ce jeu et je compte bien le squatter un petit moment. C'est clair que je vais pas passer toute l'année dessus, ne vous inquiétez pas, je vais retourner sur le zombie, je vais retourner sur GTA. Mais je peux pas tout faire, hein. C'est clair, donc si vous avez envie de m'envoyer un gameplay, rien de plus simple, ça se passe par message privé sur YouTube. Par contre, il vous faut un logiciel de capture pour capturer vos vidéos et les uploader sur YouTube, vu qu'il n'y a pas de mode studio sur ce Call of Duty Ghost. Il va falloir me les envoyer, donc très simple, pour m'envoyer un message privé, allez dans l'onglet présentation sur ma chaîne YouTube. Il y a un petit drapeau à côté, un carré, envoyez un message dans le titre, vous mettez KEM Ghost, j'irai voir tous les gameplays. Par contre, je vous préviens, pas trop de camp, pas de coffrage, sauf si vous faites une double, une triple KEM. Je veux vraiment que du joli, que du beau, du rush. Je sais que c'est pas évident de rusher sur ce jeu, mais je prendrai pas les gameplays trop moches. Je sais que mon pote, là, il est en train de camper sur son toit. Vous inquiétez pas, il va se mettre à bouger. Bon, si vous campez un petit moment et qu'après vous mettez à bouger, ça passe. Mais je veux pas trop de camp, j'ai vraiment du rush et ouais, du jeu intelligent au pire, mais pas de camp. Alors, cette KEM réalisée en domination avec une R5 Remington et un AK-12 silencieux qu'il a ramassé nous est proposée par Hypic. Le Remington sur ce jeu, c'est un fusil d'assaut, probablement la meilleure arme du jeu tout simplement, aussi bien de loin que de près, elle tue en quelques balles. C'est clair que de près, il y a mieux. Par exemple, la K12 qu'il a actuellement, ou la Honey Badger, par exemple, sont des armes mieux que la Remington. Mais voilà, ça va être l'arme qui va être le plus utilisée en compétition des certos, parce qu'elle a une bonne cadence de tir, et de loin, elle est très précise. Vous tuez vos ennemis en quelques balles. Alors là, il y a une petite coupure dans le gameplay, une petite transition, j'ai mis, parce que le gameplay avait bugué, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de hack, c'est pas une fausse KEM, où il n'y a pas eu trop de temps avant qu'il me fasse un kill, c'est juste qu'il y avait un petit bug dans le gameplay. Alors Hypic, c'est le deuxième gameplay qu'il me propose, il était déjà passé sur ma chaîne avec un titre nucléaire sur Black Ops 2. D'ailleurs, il m'avait aussi proposé un autre gameplay, un titre nucléaire en moins de 2 minutes, mais il n'y avait pas le début du gameplay, c'est pour ça que je ne l'avais pas posté. Et sa première vidéo qui était passée sur ma chaîne, c'était avec Lady Girl, j'avais fait un commentary avec une fille, une copine à moi qui a arrêté YouTube. La plupart des anciens abonnés à ma chaîne la connaissent. Très bonne amie qui a arrêté pour des problèmes, elle avait eu pas mal de problèmes sur YouTube, notamment parce qu'elle se faisait tout le temps rejoindre, elle se faisait harceler. J'avais débuté mon aventure avec elle et donc elle avait arrêté, c'est assez dommage. D'ailleurs, j'ai pas de nouvelles d'elle, j'aimerais bien en avoir, mais ça cloche un petit peu. Je sais qu'elle est partie sur Paris avec son copain et je sais pas ce qu'elle devient, j'aimerais bien savoir. Ben, bref, alors. Je vais vous parler de moi un petit peu. Pourquoi je ne vous propose pas de KEM? Tout simplement parce que voilà, moi j'y arrive pas. C'est pas mon délire, les MOAB, les titres nucléaires et les KEM. Si j'en fais une, soyez-en sûr, je vais la poster. Mais pour l'instant j'en ai pas fait, vu que je suis pas prêt d'en faire. Je ne vous en posterai pas tout de suite. Je crois que ma meilleure série c'est 14 ou 15 kills. Je ne suis pas pro en multi, je préfère faire des matchs de team avec mes potes Drazia, Krizia, Naska. D'ailleurs c'est pour ça que je vais mettre un petit peu au multi, pour essayer d'être au niveau sur Xbox One, parce que je pense faire pas mal de matchs, des matchs LNP pour commencer, pourquoi pas des matchs Game Battle. Ensuite, je sais que ça joue un petit peu pute en match, mais bon, moi ça me plaît, au moins je joue pour quelque chose, c'est pas comme en multi, ça me dit rien de camper pour faire une KEM, me buter pour en faire. Franchement, c'est pas mon délire. Alors vous voyez que j'ai un nouveau casque, Turtle Beach PX22, c'est le nouveau PX21, très bon rapport qualité-prix, en plus il y a des petits logos là, c'est pas ça qui va vous faire kiffer, vous n'avez pas l'acheter pour les logos, il coûte un petit peu plus cher que le PX21, donc franchement un très bon rapport qualité-prix, si vous voulez l'acheter sur Amazon, il coûte 65 euros,
Franchement, bon prix, bon casque, pas de problème. J'ai aussi reçu un Elgato très récemment. Je suis passé partenaire avec eux. Ils m'ont envoyé un logiciel de capture. Franchement, de la bombe. Je vais pouvoir enfin faire des face commentary, des lives en meilleure qualité. Je suis très content de mon acquisition. Bon, je l'ai eu gratuit. C'est vrai qu'il coûte un petit peu cher, 180€. Mais franchement, ça vaut le coup. Alors là, il lance sa KEM. On le voit, il lance une flash pour faire le beau gosse. Bon, je vais couper juste après, il va y avoir une nouvelle transition, un petit écran noir, et on va passer à la killcam. Donc j'espère que vous avez kiffé ce gameplay, j'espère que vous allez m'envoyer beaucoup de vos gameplays. En tout cas, n'hésitez pas à dislike, comme je l'ai dit, ça me donnera une idée. J'espère que ça vous a plu, on se retrouve très bientôt, allez, ciao ciao, bye bye les amis.